Entre 2019 et 2020, une équipe de sociologues et designers sont venus interroger les habitants sur la vision idéale de la fin de vie et de la vieillesse. Aujourd'hui, en 2030, alors que toutes les innovations qu'ils ont imaginées avec les habitants ont évolué pour s'adapter aux besoins de ceux qui vivent en déodacie, certains se souviennent comment c'était avant. De quoi avaient besoin les personnes âgées à l'époque ? De la présence, de l'échange et de savoir partager leur expérience avec les nouvelles générations. On disait toujours « c'est un mouroir, je veux pas y aller ». On savait pas exactement si c'était une maison de retraite ou un hôpital. Ceux qui n'avaient plus la force physique d'entretenir une maison mais qui n'étaient pas grabataires avaient besoin d'appartements un peu, aménagés, spécialement pour eux. Très vite, le besoin de resserrer les liens entre les générations s'est fait sentir, d'où l'idée d'une maison de retraite des enfants, c'est-à-dire en partie gérée par les enfants des résidents. Quels avantages ça a ? En dehors de l'aspect financier qui peut alléger la prise en charge des personnes âgées, ça permet aussi de garder un lien avec ses proches. Venir en vacances chez papa, de nouveau, sauf que ça n'allait pas de l'aider dans la maison familiale. Situation presque idéale. C'est même déculpabilisant. Oui. Parce que mettre son parent en EHPAD, quelque part, on a quand même un nœud au ventre et au cœur, si je puis dire. Et de pouvoir dire j'y vais en dehors des heures de visite institutionnelle et pouvoir y passer du temps, même si je ne peux le faire qu'une semaine par an, ça doit aider quand même pour le moral de tout le monde. Le circuit est tellement court que vous passez la super étang en bas, cherchez les légumes, vous n'avez plus qu'à les monter. Tout se fait sur place, ils peuvent même dormir ceux qui viennent de l'extérieur. Et en fait, ils baissent la pension en donnant leur main d'œuvre pour faire à manger. Certains, ayant la formation adéquate, font office d'aide-soignants. D'autres font de l'animation socioculturelle. Je suis arrivée hier de Nancy. J'ai pris 3 jours off pour venir passer du temps avec mon papa. Aujourd'hui, j'ai aidé au ménage des couloirs. J'ai même fait la plonge du déjeuner. Et l'après-midi, j'ai co-animé un atelier de peinture avec une artiste de Saint-Denis. Oh là là, la rigolade. Je crois qu'avec papa, on a mis plus de peinture sur la table que sur la toile. Mais ça a mis de la couleur et de la bonne humeur dans notre journée. Là, il dort. Il sourit presque. Demain, ça sera balade jusque dans le parc de l'abbé. Et peut-être jusqu'aux étangs, s'il se sent bien. En amont d'une prise en charge encadrée dans la maison de retraite des enfants, une étape supplémentaire a été proposée entre le besoin de se rassurer et l'envie de convivialité. La colocation Ageons Ensemble. Est-ce que tu as entendu parler de la colocation pour les personnes âgées ? Oui, je trouve que c'est bien, parce que ça permet de ne pas être seul. À faire vivre ensemble des personnes, plusieurs générations, des jeunes travailleurs, des personnes âgées. Enfin, il faut bien s'entendre aussi, on ne peut pas mettre n'importe qui en colocation. Il faut trouver le colocataire idéal. Voilà, c'est ça. Avec qui on s'entend bien. Le temps dont je dispose, je ne le connais pas, mais certainement qu'il est restreint. Je ne vais quand même pas passer le temps à me pourrir la vie avec des bêtises. Par exemple, tu as mal rangé tes chaussettes. Un truc comme ça, alors là, ça devient du grand n'importe quoi. Tu penses qu'il faut que les personnes se ressemblent ? Je pense quand même un peu, oui, parce que s'il y a des gens de fort caractère, ça risque des fois de ne pas aller. Mais en tous les cas, le fait de partager le même souci fait que les gens, tout d'un coup, s'assouplissent. Je compte bien faire passer ma notion « chacun sa vaisselle » à la prochaine réunion des colocataires. À 65 ans de moyenne d'âge, c'est plus le temps de procrastiner. Parfois, avant que la femme de ménage passe, je passe un peu le balai, histoire de ne pas lui en demander trop. Après, pour la poussière sous les étagères, c'est ma sciatique qui proteste. J'aime bien la nouvelle infirmière qu'on a embauchée. Elle fait pas de chichi, hop là, le vaccin contre la grippe, au suivant. Bon, j'y vais, hein, j'ai une revanche à prendre au tarot. Au-delà de la prise en charge factuelle des personnes âgées plus ou moins en perte d'autonomie, les habitants ont mis en avant des solutions capables de mieux vivre sur le territoire tout au long de la vie. Une innovation notable a été l'accompagnateur au bien-être. Entre 2020 et 2030, quelles leçons avez-vous tirées de l'accompagnateur au bien-être ? Ne jamais négliger une heure d'existence. Bah, je suis parfaitement d'accord avec ça. Une heure d'existence, regardez, vous invitez des gens à manger, à ouvrir des photos ou des trucs, ça suffit à naître des émotions. Tant qu'on mène une vie sociale, on n'est pas vieux dans sa tête. C'est savoir les petits plaisirs de la vie et les continuer le maximum. Avoir un peu de projet quand même qu'on est vieux. S'investir
Moi, dans plein de choses, moi, enfin, plein de choses, il faut s'arrêter aussi. Hein. Dans le social, comme je faisais avant, j'aime bien de rencontrer les gens, surtout. On a changé de mode de consommation aussi, je trouve. L'alimentation qui faisait le tour de la planète pour revenir chez nous, c'était débilifiant, je suis obligé de le dire. Du coup, les agriculteurs ont retrouvé quand même quelque chose, plus de considération qu'avant. Nos aînés vieillissent bien, puisque l'âge moyen d'arriver à la résidence dépasse les 80 ans. Et l'âge moyen du départ vers l'hôpital de Moyenmoutier est de 91 ans. Donc c'est vraiment formidable, quoi. On vieillit bien. Dire que ça faisait 5 ans que je vivais ici et j'avais toujours pas osé parler à ce type. Je voyais bien avec ses flyers sur les marchés, parfois le vélo avec le logo, mais je me disais toujours, c'est pour les autres. Mais au final, on a eu une belle discussion le long de la rivière. J'ai beaucoup plus parlé, je crois. Un peu comme un psy, mais en moins compliqué. Plus comme une conversation avec un ami de longue date. Au final, j'ai trouvé dans quoi je voulais me reconvertir. Maintenant, ça fait complètement sens. En Déodacie, les habitants se souviennent sans nostalgie de comment on vieillissait autrefois. Des réponses données à l'époque, ils ont gardé l'envie de questionner sans cesse ce que c'est bien vivre pour bien vieillir. En Déodacie, peut-être plus qu'ailleurs, les personnes très âgées peuvent enfin dire « J'ai eu une belle vie, je n'ai pas peur de sa fin ».